Look how my mind plays. Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change. Watch the craze, keep it sane, don't fade away. Look how my mind plays. Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change. Watch the craze, keep it sane, don't fade away. Look how my mind plays. Hey, coucou les amis, c'est Mademoiselle Petit Ange. Donc, comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur Destiny, et plus précisément sur Rise of Iron. Donc, on va commencer la première mission de cette extension, donc en se rendant sur la Terre. Ensuite, vous allez directement sur le pic de Fellwinter, où ça clignote, bien sûr. Et c'est la première mission qui va commencer dans cette nouvelle extension. Donc, je vous propose de se retrouver juste après la cinématique. Donc, je vais vous laisser maintenant et je vous dis à tout de suite. Dans les années qui suivirent la chute, il n'y avait pas de gardiens. Seulement les seigneurs de fer. Immortels, intrépides. Nous combattions pour protéger les survivants d'une époque révolue. Notre combat était bien plus qu'un simple retour à la lumière. Les seigneurs de fer voulaient donner à l'humanité un avenir. Certains connaissent la légende, mais personne ne sait vraiment comment sont tombés les seigneurs de fer. Il fallait être là pour comprendre, pour témoigner, pour se souvenir, pour savoir que même les héros peuvent mourir et que survivre n'est pas toujours une victoire. Maintenant, je suis l'unique sentinelle, et ma garde est éternelle. Attendant le réveil de ce que nous avions dérangé. Les seigneurs de fer ont disparu, mais notre combat est loin d'être fini. La maison des diables est de retour. Ils fouillent tous les anciens laboratoires de l'âge d'or à travers tout le système. Ce n'est pas qu'un simple pillage. Ils sont en mission. Au début, l'avant-garde n'était pas vraiment préoccupée. Du moins, pas avant que les diables ne décident de retourner dans le cosmodrome. À présent, les diables déplacent des tonnes de ressources dans une zone qui avait été maintenue à l'écart pendant des siècles. D'habitude, j'aurais dit que c'est un jour comme un autre. Sauf que tout le monde parle du seigneur Saladin. Il a quitté son poste à la bannière de fer pour s'occuper personnellement de cette situation. Plutôt que de nous rendre directement au cosmodrome, Saladin veut que nous enquêtions sur un observatoire abandonné dans les montagnes. C'est très curieux. Les déchus occupent le pic de Fellwinter. Mon équipe et moi-même sommes déjà en route, mais nous n'y serons pas à temps. Vous devez sécuriser l'observatoire au sommet. Il ne faut surtout pas que les déchus établissent une base sur cette montagne. Alors, cette cinématique, vous en avez pensé quoi? Franchement, moi je l'ai trouvée vachement belle.
J'ai trouvé que l'extension est plus jolie graphiquement, elle est plus jolie que celle qu'on a eue auparavant. Après, c'est peut-être moi qui bug hein, là-dessus, hein, je dis pas le contraire, hein, c'est possible. Mais je trouve que ouais, graphiquement, cette extension-là est juste magnifique par rapport à avant. Il faut savoir qu'ils ont corrigé avec les toutes petites mises à jour qu'il y a eu juste avant la sortie du DLC, ils ont corrigé les gains noirs en fait, où c'est noir en fait, dans le jeu. Avant, ça faisait tout plein de petits points dégueulasses. Faut dire la vérité, on va pas se le cacher. Hein. Et ça a été modifié, ça se voit beaucoup, beaucoup moins, et donc je trouve ça vraiment plus joli. Donc, là, on commence la première mission de cette nouvelle extension. Donc là, vous voyez qu'en fait, on est sur le pic hein, de Fellwinter. Donc là, on est en train de monter bah, au combat hein. On va prendre un téléphérique comme vous pouvez voir ici hein. Oui, je ne suis pas en live pour cette présentation de mission. Il y en aura quelques-unes qui seront en live avec Baby Love hein, donc avec ma femme, mais voilà, je les ferai pas toutes en direct hein, parce que il faut savoir que on est dans la même pièce et en fait, bah, nos micros résonnent entre nous. En fait, des fois, on entend ma voix dans son micro et on entend sa voix dans mon micro. Donc, c'est un peu galère quand on fait du live. Donc, c'est pour ça que c'est très rare qu'on fait des lives ensemble. Mais ça arrive quelquefois qu'on le fasse. Donc, je sais que on le fera pour quelques missions hein, parce que c'est bien de jouer ensemble. Mais si on peut pas se parler, c'est pas terrible. Donc ça, c'était une petite parenthèse, hein, voilà. Donc, comme je disais, on va prendre le périphérique, là, à l'instant. Donc, je l'ai piraté avec le spectre, hein, pour pas changer. Heureusement qu'on a ce petit spectre, on va dire ça comme ça. Donc là, on va pirater pour mettre en route le fameux téléphérique pour continuer à monter. Et oui, hein, le pic de Fellwinter est vachement haut, donc on va pas y aller à pied tout le long quand même, hein, parce que j'ai envie de dire, c'est crevant. Non, je rigole. Non, non, mais c'est bien, il y a des petites animations avec le téléphérique, par exemple, là, où qu'on peut monter dedans. Hein, avant, il n'y avait pas de choses qui étaient activées, on va dire, comme ceci, où on pouvait l'utiliser et monter à l'intérieur. Donc, je trouve ça, c'est cool. Donc là on arrive dans les montagnes hein. Donc franchement comme je vous ai dit graphiquement il est joli. Regardez la neige, la vue qu'on a, les sapins etc. C'est vraiment bien fait je trouve, c'est joli. Alors là, voilà, les choses se corsent hein. Bien sûr le trajet n'allait pas être de tout repos comme vous vous en doutez hein. Vous voyez bien qu'à l'écran on va défoncer quelques ennemis quand même en montant hein. Ça va être pas mal. Donc il n'y a toujours pas de nouveaux ennemis. Il n'y a pas de nouveaux ennemis qu'on a pu voir dans les cinématiques, hein. Les symbiotiques, il me semble, c'est comme ça qu'ils s'appellent, mais ça va venir, hein. Faut pas s'inquiéter, ça va venir. Alors vous avez vu, il y a même les vaisseaux qui sont là pour nous faire chier, faut dire la vérité. Donc là, il y a des nouveaux collecteurs, je sais pas si vous avez fait gaffe, ils ont un peu changé par rapport à avant, donc il y a toujours les anciens, mais il y a ceux électriques, et il y en a une nouvelle race en fait. Donc ils ont un peu changé ça aussi, donc je trouve ça assez cool, ils ont fait du renouveau quand même. Je crois que j'aime plus cette boîte en métal. Et là, et oui, et là, on s'est fait bombarder le téléphérique. Va falloir descendre parce que sinon, si on reste dedans, on va mourir, hein, comme vous vous en doutez bien. De toute façon, ça vous descend automatiquement, je pense. Donc, j'ai pas essayé hein, parce que c'était la première mission. Donc, c'était une mission vraiment découverte en même temps que vous. Et je pense que si on reste dedans, on doit nous descendre au fur et à mesure. Enfin, il y a un temps et puis ça doit nous descendre. Comme si vous mettez du temps à aller dans un assaut ou quoi, ça vous emmène automatiquement. Donc là, ça doit être la même chose, je pense. Donc vous voyez qu'on est toujours dans les montagnes qui sont assez très, très bien faites, moi je trouve. Hein. Et donc c'est un tout nouvel endroit, hein, bien sûr, parce que ça va devenir notre nouvel espace social. Donc on aura la tour, le récif et bien sûr maintenant le pic de Fellwinter, hein, comme vous pouvez voir. Mais je trouve ça cool qu'ils aient rajouté un nouvel espace social en espérant qu'il ne soit pas trop petit. Ça c'est ce que j'espère, parce que le récif, bon il y a tout, hein. Mais est-ce qu'il y aura des choses intéressantes à faire ou pas? Par exemple, est-ce qu'il y aura des spectres à chercher comme il y avait au récif? Est-ce qu'il y aura, je sais pas moi, autre chose? Je ne sais pas.
Donc voilà, c'est vraiment la première mission du jeu. Hein. Elle est une mission, on va dire, comme en général, 15-20 minutes. Hein, c'est ça. Hein. Donc je trouve que c'est une mission qui est correctement correcte, on va dire ça comme ça. Non, je rigole. Mais je veux dire, c'est voilà, le temps est comme dans toutes les missions dans Destiny, je pense, hein, pas très court, pas très long, bah, pas trop long. Donc je trouve ça assez cool. Et là, vous voyez quand même qu'on commence à monter de ouf, hein, quand même. On arrive vraiment à cette montagne. Enfin, on va finir par arriver au bout, j'espère, quand même. Mais ça, après, je ne sais pas. On va le découvrir ensemble, hein, j'ai envie de dire. Bah, moi, je le sais déjà, mais j'ai pas envie de cacher le suspense. Hein. Donc, enfin, de gâcher, pardon. Donc là, il y a toujours les transparents, là, les invisibles. Alors, putain, soleil sur le rouge, je vous le dis, moi. Regardez, il crève pas comme ça en plus, hein. Il faut y aller, hein. Faut y aller franchement. Bon, ok, je me raterai pas, ok. Ok, si je me raterai pas. En même temps, il serait mort plus vite. D'accord, je vous l'accorde. Donc là, on va continuer. Voilà, je continue à avancer avec Baby Love. Alors par contre, voilà, je récupère beaucoup de boules vertes et bleues. Mais voilà, vous pouvez voir qu'elles servent à rien, les vertes ne servent à rien en général. Les bleus peuvent être plus hautes que ce que vous avez en violet, hein, ça dépend. Mais très souvent, là, il faut vraiment choper du légendaire et de l'exo pour faire quelque chose, quoi, on va dire, pour faire quelque chose de potable, pour pouvoir monter en lumière. C'est logique en fait, hein. Les vertes vont pas être de ouf, c'est ce qui est plus logique parce que là on recommence pas le début du jeu, c'est une nouvelle extension, on est toujours à 40 de lumière, ça il faut le savoir, de 40 de niveau, pardon, et on va passer à 385 de lumière comme je vous ai mis au tout début de cette vidéo. Donc, non, ça doit pas être dans celle-là, c'est la vidéo d'avant où je vous ai mis le petit screen, ouais c'est ça, la vidéo que j'ai sortie hier en fait. Où en fait notre level de lumière montera à 385. Donc forcément pour monter à 385 il va nous falloir des nouvelles armures, des nouvelles armes à 385. Donc c'est logique, on s'en doute tous, et on va pas trouver des armes en 385 dans des engrammes verts, ni des armures à 385 dans des engrammes verts. Il faut être logique à un moment. Donc voilà, les vertes en gros ne servent à pas grand chose. Donc voilà quoi, je veux dire, c'est con en fait, ils devraient les supprimer en vrai, ou alors les laisser comme vous êtes vraiment dans les levels tout petits. Ils devraient les supprimer, là franchement ça sert pas à grand chose, donc c'est un peu con. Mais c'est histoire, on va dire, de looter quelque chose d'intéressant, ou pas, alors, on va dire ça comme ça. Donc là vous avez pu voir qu'il y a un nouveau Cepix qui vient d'apparaître, hein. Il était noir et rouge, donc... Il était moche, hein, faut dire la vérité, entre nous, hein, il était moche, hein, faut le dire. Regardez-le, il est là-bas. Là. Il est pas très beau, hein, avec sa nouvelle carapace. Donc impossible à le tuer, hein, toujours immunisé. Donc ça, c'est bien dommage, j'ai envie de dire. Hein. J'aime bien, c'est bien dommage. Donc là, on continue de cartonner des petits vandales. Toujours pas de vandales symbiotiques ou autres, hein, comme vous avez pu le constater. C'est toujours des normales comme on a connu. Par contre, pas de corrompus. Il n'y en a pas croisé un du tout, pas de corrompus, hein. Donc pour l'instant ça s'annonce bien, parce que les corrompus personnellement, moi c'était pas mon kiff, leur dédoublement, non c'était relou quoi. Et là on se fait allumer, mais d'une force par Cepix, mais franchement il fait mal, hein. Les missions, elles sont bien, hein. Je vais pas vous le cacher, les missions à venir, etc. Par contre... des fois, mais qu'est-ce qu'elles sont dures, quoi. C'est des missions faciles, elles sont balèzes, je vous promets. Mais bon, après, ça reste accessible quand même, hein, faut pas croire non plus. Donc voilà, là, on arrive au fameux pic de Fellwinter, hein, donc l'espace social, hein, qui sera prochainement notre espace, en fait. Hein. Mais pour l'instant, vous voyez qu'il est occupé par ces pics pas très beaux, hein, faut dire la vérité. Et en fait, il fallait tout simplement attendre d'être ici, en fait, à monter le pic pour pouvoir le toucher, que ça lui enlève, que ça lui fasse du dégât, pardon. Donc voilà, hein, là vous allez voir quand même que je mets pas mal de balles d'armes lourdes, et la vie ne descend pas comme ça non plus. Je fais que de 1148, c'est pas énorme non plus, hein. Mais voilà, je veux dire, après ça descend, hein, quand même, on est deux à lui tirer dessus, mais ça met du temps. Donc là j'ai essayé la méthode, bah j'active mon super,
hein. Je mets des grubs pour voir ce que ça donne, mais vous voyez que ça descend sa vie, mais pas énormément comme je voulais. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué avec les supers. Est-ce qu'ils ont réduit le temps de recharge d'une grenade quand vous activez votre super de res comme j'ai là? Parce qu'en fait, avant, on pouvait jeter des grenades quasiment à l'infini. Et là, en fait, bah, ça met du temps. En gros, on a quoi, 3 secondes entre chaque grenade. Donc, je me rappelle pas que ça faisait ça avant. Mais si vraiment ils ont changé, c'est vraiment devenu de la merde. Désolé de vous dire, mais c'est la vérité. Allez, je vous retrouve juste après la petite cinématique. Toutes ces histoires pour pénétrer dans un vieux temple. Même les vieux loups peuvent encore mordre. Shiro, où en êtes-vous? Je survole la zone pour m'assurer qu'il n'y a plus de danger. Je serai là dans une seconde. Vous avez fait du bon travail. Le temple est sécurisé. Maintenant, nous pouvons... Shiro, préparez-vous à l'abattre. C'est comme si... Attendez! Je détecte de nombreux tirs près du mur, secteur 17. Ils attaquent le réseau de capteurs. Ils doivent savoir où se trouve l'Aria. Vous devez vous rendre au Cosmodrome immédiatement. Si Cepix s'échappe, les déchus ne seront plus notre seul problème. Donc voilà, c'est tout pour cette première mission sur l'extension de Rise of Iron de Destiny. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle mission. Allez, ciao, bye bye les amis.